C'est parfait. Ah, que c'est donc joli. N'est-il rien de plus gracieux qu'une jouvencelle en train de danser? Parce que tu appelles ça danser? Moi, pas. Ces danses de cour sont lugubres. On se promène, on se salue. Parle-moi des carroles que dansent nos paysannes. Oui, ça, ça vit, ça saute, ça gambade. Sans compter qu'avec les cotillons qui voltigent, l'œil d'un honnête homme peut y trouver son compte. Mon pauvre Laïr, quel insoutenable barbare tu fais. Enfin, mon seul dit, regarde et juge. Demoiselle de Sévigny. Le bâtard de Vendôme sera mon champion. Il est du sang de Saint-Louis. Bah pour le sang de ce bon roi qui me paraît bien aventuré ici. Quand nous battrons-nous? Dans 3 jours. Le sire de Rebec sera son second, quel est le tien? Moi, seigneur duc, Jean Poton de Saint-Trailles, pour vous servir. Pour vous servir quelques coups de ma façon. Je vous veux l'œil vif et l'esprit clair. Un repas frugal, pris dans vos cantonnements, me paraît tout indiqué. Si vous le dites, ce doit être vrai. Jeanne, une cuisse de chapon avec un petit verre de vin de Loire ferait parfaitement notre affaire. Vous ne vous arrêteriez pas à la cuisse, ni au verre. Sir Capitaine, je vous souhaite la bonne nuit. J'ai apporté quelques vivres. Me ferez-vous l'honneur, monseigneur, de les partager avec moi et vos amis? Quant à moi, j'accepte volontiers, mais mes amis, évidemment, je ne sais pas s'ils seront d'accord. On ne voit pas pourquoi on ne serait pas d'accord. Catherine! Catherine! Enfin, vous ressemblez à mes souvenirs. Monseigneur, vous avez eu pitié de moi. Je veux vous en remercier. Non, il n'y a vraiment pas de quoi. Sans Jeanne, ces imbéciles vous auraient pendu. Eh bien, voilà comment j'aime que les affaires aillent. Mais comme les émotions donnent soif, je vais chercher du vin. Voilà une fière bonne idée. Oh, je n'ai rien fait de très remarquable. Croyez-vous? Grâce à vous, on ne m'a pas enchaîné et on m'a donné à manger. Mais je vous devais bien ça. N'ai-je pas été tiré de prison grâce à vous, jadis, à Amiens? Ne me rappelez pas ce souvenir, je vous en prie. Il me fait encore honte. C'est depuis ce jour qu'Arnaud me hait et me méprise. Comment pourrait-il en être autrement, d'ailleurs? Quand il m'a surprise au lit dans la chambre du duc Philippe. Vous étiez surtout bien belle, avec vos grands yeux effrayés. Ne m'en veuillez pas, Catherine, mais c'est cette image de vous que je garde au fond de ma mémoire. Arnaud aussi a dû la conserver. Je ne suis pour lui qu'une fille perdue, qui l'honore d'une haine implacable. Honnêtement, je n'en sais rien. Il donne souvent l'impression de vous détester. Pourtant, il se comporte souvent de façon bien étrange. Savez-vous où il était? Dame Mathilde, merci encore pour votre généreuse hospitalité. Je vous en prie. Frère Étienne, bénissez-moi. Dieu vous garde, mon fils. C'est toujours ce que dit Jeanne quand les bonnes gens courent vers elle. Et c'est d'elle aussi que je veux vous parler. Veillez bien sur elle, Jean. Elle va être en grand danger. Les Anglais n'ont-ils pas assez de haine pour elle, déjà? Nous sommes là surtout pour ça. Veillez sur elle, la défendre et la protéger. Puisqu'elle se refuse toujours à porter l'épée. Et veillez aussi sur vous. Je vous l'ai dit. Vous m'êtes devenu un ami très cher. Que Dieu te garde, toi qui es sa fille, et qu'il te garde bien. En quelque sorte, mort de faim et de soif. Et cette femme qui voulait à toute force me soigner. Mais que faire d'autre quand un chevalier exténué vous tombe dans les bras? J'ai eu assez de mal à vous traîner sur cette bancelle, messieurs. Et à présent,
Je vais vous laver. Non, 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 mangez d'abord. Bonsoir. Le bonsoir à vous, voyageurs. Si vous désirez souper, j'ai tout ce qu'il vous faut. Dis donc, elle est bientôt prête, ta soupe au chou, on n'a pas toute la nuit, nous. Ça vient, ça vient. Mmh, ça sent bon. Eh bien, tu nous en serviras. Ça nous tiendra chaud pour la nuit. Je vous prépare des lits. Non, non, on a encore du chemin à faire. Tu viens d'où, ton vin? Domaine du salon? Oh non, messire, ça me coûterait bien trop cher. C'est un petit vin d'Olivet. Mais je vous assure que dégusté avec des petits fromages du pays, ils vont son coup de coude. Mmh. Je prépare la soupe. Dites donc, on a fini avec le jambon, si ça vous tente. Ah, c'est pas de refus, merci. Je peux vous servir un verre de vin en échange? Vous êtes bien honnête. Le pain, aubergiste. Tout de suite, messire. Vous êtes de par ici? Non, non, nous venons de la Charité, nous allons sur Orléans. C'est à vous le chariot qu'il y a dehors? Oui. Vous avez à travailler dans le coin? Il y a des travaux à faire au château. En pleine nuit? Oui. Eh bien, santé. C'est pas un cachot, c'est une fosse à purin. Il doit être ici. On n'y voit rien. Ah non. Partout les saints du paradis. On s'habille. Vous êtes sûr que c'est lui? Oui. Mais dans quel état? J'ai cru un instant qu'il était mort. Bonne nuit! Que Dieu vous bénisse tous, mes seigneurs. Saint-Trail. Saint-Trail, mais on m'avait dit. Mais chacun ici te croyait prisonnier des Anglais. Rien n'est moins vrai. Mais, pardonne-moi, messire comte, j'ai un devoir important à remplir. Tiens, Michel. C'est pour moi? Bien sûr, c'est pour toi. Ne te l'avais-je pas promis? Cette épée n'est pas Excalibur, mais elle vient du pays du roi Arthur. Eh bien, je la garderai pour toi. Au matin de la chevalerie, on te la remettra. Et si Dieu le veut...